Un des plus grands défis en peinture, c'est d'harmoniser les couleurs. Et c'est d'autant plus difficile lorsqu'on est en pleine nature. Et comme ici, actuellement, comme c'est l'automne au Québec, il y a beaucoup de couleurs. Et les agencer ensemble, ce n'est pas évident. Alors, je vais essayer de réaliser un tableau ici en harmonisant le mieux que je peux toutes ces couleurs qu'on a sous les yeux ici. Mais juste avant de commencer mon tableau, je vous invite à télécharger gratuitement ces 6 fiches couleurs en cliquant sur le lien qui est dans la description juste en dessous de la vidéo. Vous voyez, c'est facile à les transporter, vous les imprimez, puis vous pouvez les transporter et vous avez énormément de conseils pour vos mélanges de couleurs, des palettes de couleurs suggérées, des mélanges. Vous voyez, c'est vraiment pratique avec même le cercle chromatique imprimé à l'intérieur. Ça va vous aider certainement lorsque vous faites votre peinture, vos mélanges de couleurs et surtout ici lorsqu'on est dehors dans la nature. Alors c'est parti pour la démonstration. On va voir ce qu'on va réussir à faire, je ne sais pas. Bien sûr, je commence par prendre en photo mon sujet. Moi, je dirais que le sujet, ça va être le rocher qui est en avant à gauche, dans la lumière. Je le trouve intéressant. Et le point focal ou la profondeur, c'est au fond là-bas, derrière le rocher, la rivière qui s'en va. Maintenant que je sais les éléments que je vais mettre dans le tableau, c'est l'harmonie colorée qui va être un petit peu difficile. On a les orangés, on a les bruns, on a les verts, on a de l'eau, du bleu dans l'eau, le ciel. Oh, ça fait beaucoup de couleurs. C'est ça qui est difficile à gérer. Et la meilleure chose à faire dans ce cas-là, c'est d'avoir une couleur dominante, bien sûr. Une couleur dominante, mais aussi une couleur qui va être commune, qu'on va rajouter dans toutes les autres. Et ça va nous aider à harmoniser les couleurs. J'ai déjà montré ça dans une autre vidéo que j'avais faite d'après photo. Alors, je commence par ma couche de fond, comme d'habitude. Je vais faire un orange. Pas trop vif. Un petit peu de rouge. Alors, c'est du jaune cadmium moyen ou cadmium clair. Moyen. La terre d'ombre brûlée un petit peu. Un petit peu de cramoisie d'alizarine. Je vais accentuer un petit peu cet orangé, ocre orangé. J'aime bien ça, voilà. Mon gros pinceau. De la térébenthine, diluant, solvant à peinture, comme vous voulez, et je mets ça. Alors, je m'excuse, là, je suis dans la lumière du soleil. Alors, des fois, la toile va être un peu à l'ombre, un peu au soleil, ça peut déranger. Je m'excuse d'avance aussi pour le bruit de la rivière. Mais c'est tellement agréable, hein? J'essuie un petit peu, comme d'habitude. Donc là, je vais faire le dessin avec juste un petit peu de terre d'ombre brûlée, mon petit pinceau et de la térébenthine. L'important, c'est bien sûr de respecter la composition, faire une belle composition. Le dessin étant terminé, le plus difficile, du moins, la chose la plus importante, c'est la décision. Ce sont les décisions qu'on va prendre maintenant tout de suite au niveau des couleurs, des températures de couleurs, des valeurs et des contours, des fois plus flous, des fois plus nets. Notre travail, c'est de diriger le regard, l'œil du spectateur dans le tableau, de lui montrer qu'est-ce qui est en avant, qu'est-ce qui est derrière, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais essayer d'exagérer tout ça, vraiment l'exagérer, pour pouvoir donner, on va dire, plus d'impact dans la peinture, pour le rendre plus spectaculaire. Voilà, on pourrait dire, on va essayer. Hein, c'est pas évident, on va essayer. Je vais essayer. Donc, c'est parti. Je vais commencer tout de suite une première couche. Si je veux que tout soit harmonisé, il me faut une couleur commune et je pense que je vais garder cette idée d'oranger. Je pense que je vais renforcer l'orange beaucoup, beaucoup, partout dans le tableau. Je vais commencer avec une première couche. Et ce qu'il y a de bien, la première couche, c'est que ça va me permettre d'évaluer si c'est bon, si je continue comme ça ou si je change tout. Hein? Alors, on y va. Allez, on y va. On y va, on n'a pas peur.
Je vais y aller avec juste de la térébenthine, uniquement. Je vais commencer un petit peu par le sujet principal. Je vais faire un orange, un petit peu de blanc. Un peu plus rosé, légèrement. Non, c'est bon, allez. Voilà. Et là, je vais venir mettre les touches de couleur lumineuses que l'on voit sur le rocher. Oh, ça coule. Je vais l'essuyer de suite, là. J'étais un peu trop liquide, un petit peu trop. Mais c'est parce que je veux que ça sèche vite aussi, puis il fait froid là. Hein? Donc, ou du moins, je ne veux pas qu'il y en ait épais. Voilà. Je fais les ombrages d'abord. Donc voilà ma première couche terminée, ça va être le moment de la réflexion, de l'analyse et savoir qu'est-ce qu'on va faire par-dessus. Alors à la première analyse qu'on peut faire, c'est qu'on voit que les couleurs s'harmonisent bien parce que j'ai mis cet orange un petit peu partout. Et même si mon ciel finalement au moment où je mettais le bleu, il devenait gris, par rapport aux autres couleurs, il paraît bleu quand même. Alors je pense que c'est réussi. Maintenant c'est de travailler les valeurs. Surtout les contours plus nets, moins nets pour donner la profondeur. Donc c'est parti pour la deuxième couche. Alors le soleil a changé, le rocher n'est plus éclairé comme il l'était. C'est un petit peu embêtant, mais c'est pas grave, je vais le travailler un peu comme je l'avais au début là. Alors on va y aller avec bien du blanc pour l'éclairer. Alors c'est déjà un blanc chaud. C'est-à-dire que le rocher est actuellement dans l'ombre d'un arbre, d'un feuillage. C'est vraiment très, très embêtant. Ça, c'est le boulot. Franchement, c'est assez intéressant. Là, j'ai une avancée de la roche. Alors, un petit peu plus coloré maintenant. On va commencer à jouer un peu dans les couleurs aussi. Ah. Parfois un petit peu plus jaune, un peu plus rosé, puis voilà, on va y aller avec.
On y va avec les lumières ici sur le plateau. Je vais tout de suite retravailler mes ombres. Oui, j'ai encore mis du jaune et du rouge dans mon bleu outre-mer. Alors, j'ai un petit peu simplifié le rocher. En vérité, ici, il était plus petit. Voilà, on avait une partie en arrière là-bas. Que je replace. Là, on va pouvoir travailler le petit buisson en avant. Vous voyez, ici, je fais volontairement du foncé pour faire ressortir le rocher. Ça sera là-bas mon arrière-plan. Refroidir un petit peu. Si vous voulez, l'arrière-plan de cet arbre ici. Voilà. Je vais faire des verts lumineux pour cet arbre ici. Vous voyez ? Alors ça, c'est pas assez lumineux. Ça ressemble beaucoup à la couleur du fond. On va l'éclairer avec du blanc, du jaune. Beaucoup de jaune. On avait quelques verres par là aussi. Toujours avec le jaune et le rouge, le bleu. On va essayer de ramener des ombres encore là-dedans. Et texture en même temps.
Je vais commencer le ciel. Avant de mettre des verres là-dedans, je vais aller avec le ciel. Je prends mon blanc, mon bleu phtalo. Vous comprenez que si je mets ce bleu-là, il va être beaucoup trop intense. Ça ne fonctionne pas avec le reste. Hein. Arrive. Donc, c'est là où on se dit que l'harmonie colorée n'est pas bonne. Et c'est là où il faut rajouter de l'orange. Pour casser un petit peu ce bleu, ça va le rendre plus gris, parce que l'orange est complémentaire hein, du bleu. Pas mal de blanc, pour soit clair. Moi, je pense que c'est quand on agit comme ça qu'on prend le plus de plaisir à faire de la peinture. Vous voyez, quand on ne cherche pas la perfection, au niveau de la touche, tout ça, remarquez que comment je cherche un petit peu plus, moi, la perfection au niveau de l'harmonie colorée qu'au niveau de la touche de pinceau ou du réalisme de la couleur. Vous voyez ce bleu? Il remet quasiment trop bleu encore, hein? Allez, encore un petit peu de jaune, un petit peu de rouge. On va le salir. Il floue par ici, là. Où est-ce que je pourrais mettre hop, une petite touche de bleu? Et voilà. On va y aller avec du blanc ici pour des lignes dans l'eau. Alors là, il y a effectivement, il y a pas mal de mousse. Là aussi, elle est un peu rosée, je trouve. Tiens. C'est du remous, beaucoup de remous. Je ne sais pas ce que c'est cette longue tache noire là. Je vais essayer d'attirer l'attention vers ici, parce que c'est le sujet du tableau. Enfin, pas le sujet, mais le point focal un petit peu. Donc, on essaye légèrement hop, de faire focaliser ici. Avec un petit peu des contrastes. Le soleil s'est caché, la luminosité a complètement changé. Et à un moment donné, il va falloir s'arrêter. Je pense que c'est maintenant. C'est peut-être le temps maintenant de faire une analyse. L'analyse, c'est bien entendu toujours, comme je vous ai dit, pour la composition. Est-ce que la composition est bonne? Est-ce qu'on a de la profondeur? Est-ce qu'on a une harmonie colorée? Est-ce que le tableau est assez intéressant? Alors, c'est sûr qu'on pourra toujours l'améliorer après à la maison, mais... Dans l'ensemble, déjà, je trouve que c'est pas mal. On voit bien que ce rocher est en avance, le reste est en arrière. On voit bien que c'est l'automne. Je n'ai pas des couleurs trop intenses, trop vives. Voilà, après, c'est sûr que bon, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour apporter des améliorations à ce stade-là? Je ne sais pas, c'est peut-être alors... accentuer une lumière là-bas si je veux que ce soit mon point focal où on s'éloigne. Et une petite lumière par là.
Voilà. En fait, le but, il n'est pas vraiment d'attirer l'attention là-bas, c'est que notre œil ne sorte pas du tableau. Le but, c'est d'attirer la lumière ici, l'œil ici, sur ce beau rocher ici. Alors, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Sous la vidéo, puis n'oubliez pas de télécharger aussi, comme je vous ai dit, les fiches couleurs, les 6 fiches couleurs, c'est du PDF. Vous cliquez sur le lien dans la description, puis vous pouvez le télécharger. Je vais arrêter là et on va pouvoir aller se réchauffer un petit peu et se restaurer. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir une autre vidéo dans ce même genre, je vous invite à regarder celle-ci qui s'intitule « 15 astuces faciles pour débuter la peinture en plein air ».